Dimanche 5 janvier 2014, il est 10h. Bonjour à vous et bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. 72 milliards de francs CFA engagés par l'État pour un plan de développement communautaire post-crise. Il est principalement question d'améliorer les conditions de vie des populations dans les zones villageoises et périurbaines. Le reportage de Mamadou Kouassi. Les effets des crises qu'a connues la Côte d'Ivoire se font toujours sentir, surtout dans les zones rurales. Cela s'explique par le déficit en infrastructures sociales à gestion communautaire et la baisse du niveau de vie des populations. Pour répondre à toutes ces préoccupations, le gouvernement a mis sur pied depuis 2012 le Programme national de développement communautaire, PNDC. Le président de la République met à la disposition de ce programme la somme de 112 milliards de francs CFA pour une période de 4 ans, en vue d'améliorer les conditions de vie des populations, particulièrement les couches les plus vulnérables, à savoir les jeunes, les femmes et les personnes handicapées. Selon le docteur Messan Fulgence, coordinateur du PNDC, sa structure a pour mission essentielle de promouvoir les activités génératrices de revenus en vue de favoriser l'intégration socio-économique des groupes vulnérables. Il s'agit principalement au nom de développer des projets de lutte contre la pauvreté, de création d'activités génératrices de revenus et de développement des infrastructures dans les zones qui ont été affectées par la crise, mais aussi des zones qui souffrent énormément de la pauvreté. Il s'agit également pour le Programme national de développement communautaire d'améliorer l'accès des populations aux services sociaux de base de qualité, à savoir l'eau potable, l'école, la santé, le logement, les infrastructures routières. Pour entamer ce programme, l'Ouest ivoirien, zone sinistrée du fait des conflits, bénéficie de 14 milliards de francs CFA. Pour garantir une bonne gestion de ces fonds, un comité de pilotage a été installé. Fort de 18 membres issus des différents ministères techniques, ce comité a pour mission d'assurer une bonne exécution du programme en vue du bien-être des populations ivoiriennes. Réconciliation nationale, cohésion sociale et paix en Côte d'Ivoire. Quelle stratégie pour les ressortissants de la CEDEAO? L'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO a planché sur la question, l'objectif étant de promouvoir l'intégration africaine et de contribuer significativement au processus de réconciliation nationale. Après 3 jours de discussions informelles, les négociations directes sur un cessez-le-feu au Soudan du Sud vont pouvoir démarrer ce dimanche à Addis Abeba, c'est en Éthiopie. Un premier face-à-face a déjà eu lieu hier entre les délégations représentant les partisans du président Salva Kiir et ceux de l'ancien vice-président Riek Machar. Pendant ce temps, les tensions sur le terrain sont loin d'être apaisées. Les Bangladais sont appelés aux urnes aujourd'hui dimanche. Ces élections législatives se déroulent dans un climat d'insécurité et de haut risque au terme d'une campagne marquée par des violences avec plus de 100 morts. Le parti nationaliste du Bangladesh, parti principal d'opposition, boycotte le scrutin. La première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina Wajed, est donc assurée d'être reconduite. Les candidats de son parti, la Ligue Awani, et ses alliés se présentant sans concurrence dans 153 circonscriptions sur 300. Les députés tunisiens ont adopté hier samedi les premiers articles de leur nouvelle constitution, près de 3 ans après la fuite du président Ben Ali. Conformément à un compromis passé entre les islamistes d'Ennahda, majoritaires au sein de la constituante, et des membres de l'opposition, la loi coranique, la charia, n'est pas source de droit, mais l'islam demeure la religion officielle du pays. En Inde, au moins 13 ouvriers ont été tués dans l'effondrement d'un immeuble en construction. Le village indien de l'état touristique de Goa est sous le choc. Plusieurs personnes sont encore bloquées dans les décombres. Une cinquantaine d'ouvriers travaillaient sur le site quand le bâtiment s'est effondré. Et c'est tout pour ce point de l'actualité. Le journal à 13h sur RTI 1.